Bonjour à tous, eh bien je suis très heureux de vous retrouver pour l'année 2023, une année qui va être remplie de magie, d'humour et de bonne humeur en compagnie de Brigitte. Aujourd'hui, pour la nouvelle année, je vous ai préparé un petit effet avec des cartes. J'espère que vous allez bien aimer. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, je vous propose un tour de cartes qui se fait normalement avec un spectateur. Je suis tout seul, donc ça sera vous, mon spectateur. Le jeu est mélangé. Une fois mélangé, j'invite le spectateur à faire un tas sur la table avec le paquet. Alors, petite précision, il n'est pas obligé de prendre des cartes du dessus, il peut prendre des cartes du milieu, du dessous, comme il le souhaite. Et quand il le souhaite, il s'arrête. Imaginons ici. Je lui demande de faire deux tas. Comme ceci. Alors, je vais assez vite. Voilà. Maintenant que nous avons deux tas, on va regarder chaque carte qui se trouve sur le dessus. Par exemple ici, le 8 de cœur. Et ici, nous avons la dame de trèfle. Alors ça tombe bien, ça fait rouge et noir, un bon contraste. Et laissez-moi vous présenter mes fidèles compagnons, les cartes caméléons. Les cartes caméléons, comme vous le savez, ont le pouvoir de transformer en carte qu'il le souhaite. Regardez, par exemple, si je les frotte sur le 8 de cœur, instantanément, eh bien, nous avons un 8 de cœur. D'accord? Nous avons un 8 de cœur, nous avons plein de 8 de cœur qui viennent d'apparaître. Magique, hein? Alors, cependant, les cartes caméléons sont des cartes avec des couleurs. Ici, rouge, bleu et jaune. Les trois dernières, quant à elles, restent rouges. Par exemple, si je prends une carte bleue, si je laisse agir au bout d'un moment, nous avons, eh bien, des cartes toutes bleues. Pareil, si je prends une carte jaune, on laisse agir, et au bout d'un moment, nous avons, eh bien, des cartes toutes jaunes. Donc, vous l'avez compris, pour la dernière, des cartes toutes rouges. D'accord? On peut faire différemment, regardez. Si maintenant, je teste avec la dame de trèfle, eh bien, regardez, nous avons ici, eh bien, des dames de trèfle qui sont apparues. C'est pas magique? Comme je vous l'ai expliqué au début, les cartes caméléons sont des cartes avec des couleurs différentes. Sauf, vous le savez, les dernières. D'accord? Et bien, on peut aller plus loin. Imaginons, regardez, si je frotte cette dame contre la carte bleue, eh bien, elle devient bleue. Si je frotte cette dame contre la carte jaune, elle devient jaune. Et si je frotte la dame rouge sur la dame rouge, elle devient rouge. Magique. On va plus loin, regardez. Maintenant, on se retrouve avec des dames de trèfle, bleu, jaune et rouge. D'accord? Ce que je vous propose, c'est de faire vraiment plus fort. Si je frotte ces trois cartes contre la dame de trèfle, si on regarde, eh bien, ce sont toujours des dames de trèfle. Évidemment, c'était déjà des dames de trèfle. Mais en revanche, si je les frotte contre le 8 de cœur, eh bien, ils deviennent des 8 de cœur. Voilà. Alors, j'espère que cet effet vous a plu. C'est le premier tour pour l'année 2023. C'est un effet de Philippe Molina qui s'appelle les caméléons en carton. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, laissez-moi un message, ça fait vraiment plaisir. Le travail du magicien, de tout artiste, c'est de longues années d'apprentissage, de perpétuelles répétitions et d'engagement. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Cette fois-ci, je pense que je serai avec Brigitte. Portez-vous bien et profitez de cette année 2023. Allez, ciao les amis.